Les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog dissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur Fallout 4 sur PC. Je le rappelle, un jeu qui m'a été offert par Goroturion. On est le samedi 5 mai, il est 23h26. C'est parti pour un tour. On y va. Bienvenue à Sanctuary du Fail. Et Sanctuary, on l'a même quitté d'ailleurs pour l'instant. Est-ce que je peux encore passer en mode construction ici? Ouais, même si on est en dehors de la zone. Ok, donc on a une partie de la rivière qui est bonne. Hop, c'est parti, on avance. On va aller voir ce qui se passe au loin. J'espère que c'est fluide de votre côté. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Oula! Mais ces gens ont pas l'air d'être morts depuis bien longtemps. Des pillards décédés. Et cabot errant, donc. D'accord, un mec qui a été tué par un cabot errant. Ce n'est pas très rassurant. Là, on a une sorte de... J'imagine que c'est un une construction de la mémoire des gens qui sont décédés ou autre, quelque chose dans le genre. C'est fluide, pas de soucis. Bon, bah nickel, parfait. C'est mignon que vous dites bonjour à l'Ardif. Alors, on va où? C'est bien beau tout ça, mais... Oula. Eh, mais c'est Canigou! Eh, j'ai pas parlé à Code Wars. Hey, salut, toi. Qu'est-ce que tu fais là, tout seul? T'as perdu ton maître, mon vieux? Oh, c'est mignon. D'accord. Désolé, je grignote en même temps, j'ai trop faim. On va faire un bout de route ensemble. On n'avait pas parlé à Code Wars, donc on va retourner le voir. Pourquoi tu aboies? Tu veux qu'on aille là-bas? Mais on va aller là-bas après, t'inquiète pas. Pour l'instant, je retourne voir Code Wars parce que la mission demandait à ce qu'on lui parle. Par contre, il faudra que j'augmente mon endurance, que pas pouvoir courir longtemps, c'est assez frustrant. Voilà, parce qu'on avait une mission. Elle est pas là, Code Wars, et je ne l'ai pas fait. Et on voit qu'il y a un cycle jour-nuit qui est en train de bien avancer, n'empêche. Alors, Code Wars. C'est à l'intérieur, je viens de voir. Bien le bonjour, monsieur. Ça y est. Code Wars. Madame et le jeune Sean, ils ne sont pas là. Bah non. Sean est là, quelque part, Codsworth. Je dois le retrouver. Et concorde, monsieur. Il y a beaucoup de gens là-bas. Et la dernière fois que j'y suis allé, ils m'ont juste donné quelques coups de bâton avant que j'arrive à m'enfuir. Merci de ton aide, Codsworth. Bonne chance, monsieur. Vous retrouverez le jeune Sean, j'en suis certain. J'espère aussi, oui. Ok. Sachez que vous pouvez prendre Code Wars avec vous. Normalement. Peut-être pas tout de suite, mais normalement vous pouvez le prendre. Donc il faut qu'on aille par là-bas. En direction de... Comment il sait? Là on est à Sanctuary et on va vers... C'est marqué sur la carte, je crois. Voilà, Concorde. À chaque fois j'oublie le nom. Et à chaque fois je me trompe de touche pour quitter le menu. Allez, c'est parti. On va pouvoir aller visiter cette station-service. J'essaie de courir à chaque fois et à chaque fois j'oublie que je n'ai plus d'endurance. Red Rocket. Welcome here. Un autre poste de cuisine. Un truc d'armure. Établi d'armes. Atelier. Donc ça y est, maintenant on pourra activer l'environnement ici. On va quitter pour l'instant. On n'a pas vraiment besoin. Pas de derrière, Udada tête. Udada, c'est une sorte de cheval de bois. Même si c'est pas du bois du coup. Il n'y a plus rien dedans. Boston Bugles. Ok, là y'a rien. Boston Buggles.
plus j'en récupère mieux c'est. Là y'a quoi? Cartouche de cigarette, cartouche de cigarette. Y'a rien de plus ici. Personne qui nous répond du côté de la CB. Ok, rien là. Rien là. Bon, pour le moment, c'est un poquito vide. Et là, qu'avons-nous? Entrée professionnelle. Nouvel équipement installé. Il a fallu lutter contre la direction, mais on a enfin réussi à avoir tous les outils qu'il nous faut pour cuisiner notre pièce nous-mêmes. Nous n'avons besoin d'acheter des pièces... Non, plus besoin d'acheter des pièces à Corvega. Chaque fois qu'il décide de changer la taille de leur rivet, il suffira de prendre un de ceux qu'on a et de tailler un peu. Rosa, la veuve du Sanctuary, restaure une vieille Corvega avec son fils. C'est une chouette fille, jolie en plus. Le gamin a l'air d'être un petit peu con, mais j'imagine que c'est pour ça qu'elle le fait bosser. En tout cas, elle fait un sacré boulot. Je suis franchement épaté par tout ce qu'elle a et son marmot ont réussi à faire. Et sans aide en plus. Et si elle est venue me voir, c'est seulement parce qu'elle ne peut rien faire pour le moteur. On devrait pouvoir l'aider. C'est sympa parce qu'elle donne une petite tranche de vie à chaque fois, genre de choses. Occupe-toi de ces barils. Avant de partir ce soir, des inspecteurs vont se pointer demain. Matin à la première heure, planque-les avec les autres, on trouvera une autre solution plus tard. Si la nature a décidé de vous rendre service à collant une grotte sous le magasin, autant en profiter. Donc il y a une grotte sous le magasin. Et retour. Et journaux de service, mois d'octobre. J'ai remplacé les freins de la fusion Fléa Suprême de 2075, d'accord. Maintenance sensuel. C'est quand même rigolo comme truc. Du fourgon Voltec, pas de soucis majeurs avec le véhicule, mais ce représentant est un connard de toute première catégorie. Ok. Jour suivant, jeudi 14. J'ai commencé à bosser sur une vieille moto de l'époque pré-atomique. Je pensais que l'accélérateur était grippé, mais en fait, c'est un gros problème de câbles. Ils sont presque tous fichus. Je vais devoir les remplacer par de pièces de rechange, j'imagine. J'ai pas eu le temps de lire la suite. On était où? Vous avez gagné un niveau, je suis ici. Ah oui, c'est vrai. Fuite de liquide de refroidissement dans un des nouveaux coupés Corvega de 2077. Toit en verre, ils ne font plus comme avant. Et enfin, vendredi 22, j'ai remplacé l'alternateur atomique du Corvega de 2073. Et c'est tout. Donc, on a. C'est pour ça que c'est intéressant de lire les documents. Je trouve que vraiment, l'exploration et la recherche est récompensée dans le jeu. J'ai du mal à parler. Distributeur. Paquet de cigarettes, bouteille de lait vide, établi d'alchimiste. Il y a quand même des bonnes choses dans ce coin, mais faudra qu'on fasse un petit peu de ménage. On va essayer de descendre jusqu'à la grotte, qui est ici. Heureusement, ça charge vite. Sinon, je m'apprêtais déjà à... Peut-être des champignons. Apparemment, ça a été plutôt bien installé. Ils sont pas très rassurants, ces trucs, hein. Non, mais regardez-moi la tête de ces bestioles. Oh! Ça, mais c'est génial. Par contre, je voulais juste recharger, mais en fait, à chaque fois, comme j'ai voilà, sympa. On va ramasser ça, on les stockera quelque part s'il le faut. Hein, mais les kits de refroidissement, je prends. D'autres bestioles. Os de jambe gauche. Là-bas, un autre. Je l'avais pas tué. Heureusement qu'il est resté calme. Il faut que je déverrouille ça. Alors là, on va essayer de se rapprocher. Votre santé, attention. L'eau non purifiée entraîne des dégâts de radiation, d'accord. Les champignons luminescents. Et on va ouvrir ceci. Le coup de grâce, c'est ça.
Bonne nuit, métalleux. Et bon courage pour ton boulot. Fais de beaux rêves, prends soin de toi et merci beaucoup d'être passé encore une fois. À la prochaine, j'espère. Bec benzène, cocktail molotov. On se remplit l'inventaire quand même petit à petit. On va essayer de le vider prochainement. On va retourner à la sanctuarie dès qu'on aura torché ça. Il faut que j'arrête d'utiliser le mot torcher parce que je trouve ça extrêmement moche. Là, y'a rien. Est-ce qu'il y a quelque chose par là-bas? Équipez-vous-en, d'accord. Je ne vois rien de plus par ici. Réacteur à fusion. Ça va rester là. Alors là, quand on voit que ça affiche des radiations, le niveau de radiation augmente petit à petit. Et du coup, il faudra par la suite qu'on prenne quelque chose qui nous permette de les rebaisser. Sinon, on aura très peu de vie. Voilà. Salut Artika, comment vas-tu? On peut faire du Radaway, ouais. Il me semble effectivement que c'est le cas. Faudrait que ça. En fait, le seul problème de leur truc, c'est qu'il faudrait des. Ah, mais je l'ai enlevé. Ah, si, c'est parce que ça est chargé. C'est bon. Du coup, il commence vraiment à faire nuit. C'est pas bon ça. On va se faire une maison quelque part. Tu danses. Alors, on danse. Je vais retourner à Sanctuary. On va essayer de se faire une petite maison très rapidement. Juste histoire d'avoir un endroit où déposer nos affaires. Mais je veux pas m'installer dans la base parce que c'est quelque chose qui est déjà construit. J'aimerais bien cette fois-ci essayer de construire ma propre maison. Un truc tout neuf, tout beau. Et il me semble que c'est possible. Peut-être que je me trompe, hein, mais structure. Il y avait une porte. C'est bien faire un peu de ménage comme ça là. C'est vachement agréable de pouvoir tout ajouter, tout supprimer comme on veut. Je crois pas avoir fouillé cette boîte aux lettres. Donc il me fallait quoi? Structure en bois. Structure préfabriquée. Structure bois mur. Toit. Escalier. Palissade. Non. Je me trompe, tab annulé, c'est comme ça. Là, y'a quoi? Ok. Le problème, c'est que... Ok. C'est pas super précis leur truc. Ok. Ok. Ça pourrait faire un bon toit ça. Ça c'est quoi? Juste une petite baraque. Ah oui quand même. Ça change. La question c'est où est l'entrée dans ce machin? L'entrée est là. On va essayer d'en poser un. Est-ce que j'ai assez de bois? Ouais, j'ai assez de bois et assez d'acier. Ça prend quasiment rien à poser en fait ce truc. J'ai juste pour essayer du coup. Allez hop. Ça va, c'est pas dégueulasse. Premier abord. Un peu petit mais pas dégueulasse. Bonjour là-dedans, que puis-je pour vous? C'est sympa. Supprime tout dès le début du jeu pour être tranquille après. Je t'avoue, c'est ce que j'avais fait aussi. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie de passer des heures et des heures à ça, sachant qu'on est en live, quoi. Tu vois, c'est un. Punaise, tu m'as fait peur. Allez hop, on supprime ça aussi. Pas du ménage. Pas qu'un peu. C'est bon, par contre c'est dommage qu'on puisse pas supprimer ces petits buissons là. J'aurais bien aimé.
On avait un paillasson. Et maintenant, est-ce qu'on peut essayer de se construire une petite baraque comme ça, là? Alors déjà, il nous faudrait une porte d'entrée. Non? Mur et toit. Ah oui, elles en ont. Couloir. Bout de couloir. Coin. Mur et toit. Coin. Petite cabane. Grande cabane. Il y avait des trucs sans toit. Coin, mur et toit, coin, petite cabane. Non, faudra que je passe les murs apparemment à côté. Donc on va essayer de faire un truc sympa quand même. Ça serait plutôt cool. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça rapporte de l'argent. Salut Six. Exactement, je suis sur Fallout 4. Par contre, celui-ci, non, j'aimerais bien que ça l'annule, là. Parce que ça me les a posés un peu n'importe comment, ceux-là. Voilà, on a au moins une base. Quoi qu'il faudrait peut-être que j'en enlève un petit peu. Pour faire des escaliers. Juste un sol. Voilà, là on se mettra un escalier. On va déjà en poser un. Ah mais non, mais en fait on en a déjà un. D'escalier. Bon, on peut virer ça alors. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Je vais peut-être regarder un peu plus. Structure en bois sol. Non, c'est quoi ça? Fondation de cabane. Ok, non, ça m'intéresse pas. Fondation de cabane, quoique, ça aurait pu être sympa quand même. Étage supérieur de cabane. Sol de cabane. Sol de cabane. Il y a plusieurs types de sols différents, d'accord. Salut Dorian, comment vas-tu? Vous vous souvenez de ce fait de divers de Russie qui avait fini un hôpital psychiatrique. Perdu son couple. Qui avait fini en hôpital. Ah, qui avait fini en hôpital psychiatrique. Des milliers d'heures sur Fallout 4. Après, je peux le comprendre, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer des milliers d'heures là-dessus? Après, chacun son point de vue sur la chose, hein, mais. Mur. Ça c'est quoi? Préfabriqué, sol, bois, mur. C'est bien ce que je me disais, on aura quand même d'avoir des murs. Pas avoir des murs simplement plats. Ça n'existe pas. Ah si, ça doit être ça. Mur de cabane. Par contre, c'est pas joli joli ça. De la tôle. On serait dans les Sims. Allez hop, du bois. Est-ce que j'ai des... Mince, à chaque fois je fais l'erreur. 2300 heures de jeu environ dessus. Bois, toit, structure, escalier. Des trucs avec des fenêtres. Coin de mur de cabane, mur de cabane, mur et toit de cabane, coin de mur de cabane. Je suis un peu déception, moi j'espérais mettre des fenêtres, non? Je crois qu'elles sont pas là les fenêtres. On va laisser un peu d'espace vide pour l'instant. Ça ne marche que... Ok.
Ah, j'ai plus de bois. On va aller ramasser du bois. C'est pas ce qu'il y a de plus gênant normalement. Et à nouveau plus de bois. Il y en a partout, c'est pas ce qui manque. Par contre, il faudrait que je retrouve ce qu'il y a une... Normalement, il y a une touche pour allumer la lumière. Je sais plus laquelle c'est. Pas des arbres qui sont tombés par là. Qu'on détruise en premier lieu les... ceux qui ne servent plus à rien. Genre celui-ci. Quoique, si j'avais pu raser ces maisons, je l'aurais fait aussi. Hein. Ça aurait été traité mieux, carrément. Finesse, effectivement, c'est violent. On tricycle, on s'en schtroumpf. Cet arbre est tordu, on va l'enlever. Cette souche, pareil. Alors faut savoir que les ressources, quand vous les prenez comme ça et que vous êtes directement dans la zone, ne vont pas directement dans votre inventaire, elles vont dans l'atelier. Donc du coup, vous n'êtes pas en train de remplir votre inventaire de manière inappropriée. Ce qui est plutôt pas mal au final. Je trouve que c'est vraiment bien fait leur histoire de... C'est un rat de cafard, c'est pour ça. Je crois que je la supprimerai cette baraque là. Par la suite j'en ferai une autre un peu plus intéressante. Généralement c'est vrai que cette quantité d'heures c'est plus les gens qui restent sur des jeux comme Left 4 Dead ou autre. On n'a pas l'habitude de voir ça là où on est. Ensuite, structure. Structure métal. Structure porte. Comment je fais pour placer une porte du coup? Est-ce qu'elle se place dans les murs ou... Il y a un truc particulier par rapport à ça? Structure d'hiver, il y a quoi dans les structures d'hiver? Non, je voulais pas faire ça, excuse-moi. J'ai déplacé le truc. Ouais, j'ai déplacé le truc, c'était pas ça que je voulais faire, je voulais voir ce que ça m'offrait les structures d'hiver. Un totem, ça a pas l'air intéressant. Totem 2, totem 2, ok. Je suis pas sûr d'en gagner une nouvelle structure au fur et à mesure. Il me semblait que oui, mais je suis pas sûr. Bah là, dans les murs, on peut placer une porte, non? Ou j'ai rêvé? Si, là, il y a des portes. Il n'y a pas la même chose dans les murs en... Ah, à chaque fois, je me fais avoir... Dans les murs en bois. Ah bah si, y en a. On va mettre une entrée par là. Mais du coup, pour les fenêtres... comment pour les fenêtres? Y a pas un moyen simple et approprié de construire des fenêtres? Faut croire que non. Et des fois je me dis que c'était vraiment dommage en fait ce qu'ils ont... Que ça aille pas plus loin. J'aime bien construire. Bah c'est ça en fait, c'est pour ça. N'hésitez pas à me dire si vous ennuyez et qu'on doit avancer un petit peu dans le jeu. Ah par contre ça c'est pas pratique. La construction qui... Non merci, ce que je veux c'est pouvoir construire. Voilà. Non.
Maintenant, ce que je veux, c'est peut-être pouvoir placer l'électricité, ce serait pas mal. L'éclairage, non. Bon, déjà, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour placer un générateur? Là, il y a ce qu'il faut. Là, j'ai pas ce qu'il faut. Donc, on va placer un générateur. Pourquoi pas à l'extérieur de la maison. Pourquoi pas à l'intérieur, sinon. Comme ça, il sera un peu plus protégé. Et il produit 3 d'énergie. Quoique, j'aurais peut-être mieux fait de faire un gros générateur. Électricité. Générateur. Quoique le gros générateur, il prend beaucoup de place. Les idées. Bah au moins ça a fonctionné quoi, c'est une bonne idée ce qu'ils ont fait dans le jeu. Et hop, niveau supplémentaire. Ça c'est quoi? C'est des interrupteurs et des connecteurs. Faudrait que j'utilise mes points quand même à un moment donné. Je cherche juste à atteindre ceci. Non mais je veux juste pouvoir sélectionner mon truc. Alors ampoule. Est-ce qu'on a des trucs sympas? On a un ventilateur de plafond. Une boule à facettes. Oh! Lumière stroboscopique. Appliquer lumière blanche. Là, des néons. Plafonnier fluorescent. Pas la logique de ce truc là hein, c'est... J'essaye des trucs. C'est pas très très droit mais c'est pas grave. C'est pour de la musique parce que là c'est bon, on est encore bon là. Je voulais une porte en fait. Ça fait combien de temps que je suis là-dessus? Ça fait déjà 20 minutes qu'on a recommencé, quoi, et je suis encore là-dessus. Un pour mon repas. Voilà. Coucou Tartine. Hé hey, Tartine. Tu sais quoi, tu peux t'enregistrer pour me faire un son. Et comme ça je pourrais le mettre, genre par exemple. Eh hey, je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Eh hey, je suis pas venu ici pour... Mince, pardon, j'ai relancé. Mais voilà, si jamais t'as envie de t'enregistrer, de me faire un petit son que je pourrais mettre en live. Et ben sache que c'est possible. Ah j'avais pas vu que c'était des trucs avec moustiquaires en fait. Bon, on est cool. Maintenant, ce qui serait bien, ce serait que j'arrive à tirer un câble. Fixer câble, voilà. On peut les amener jusqu'où, ces trucs? Oui, il m'a dit que ça nécessite de l'énergie, non? À moins que ça ne puisse pas traverser les murs, j'imagine. Ouais, peut-être pas tout, EasyX, mais on va faire du mieux qu'on peut. T'aimerais bien entendre Travis à la radio? Bon, on peut le mettre, oui. Ah, attendez, du coup, fixer câble. Ouais, d'ailleurs, les trucs qui gênent en fait, là, je peux pas les faire traverser les murs. Donc là, ça fait rien traverser du tout, et pourtant, ça veut pas.
Ils traversent pas les murs, les câbles? Je pensais que si. Je pensais que si. My, je suis perturbé d'un coup. Comment vais-je pouvoir mettre de l'éclairage? Bah si, ça nécessite l'énergie, ça aussi. Donc pourquoi est-ce que je n'arrive pas à caler ce truc? Je dois me tromper quelque part. J'ai encore faim. J'ouvre les portes tant que j'ai pas fini mon truc. D'où l'intérêt de mettre des générateurs sur les toits. Je sais pas du coup. Parce que ça traverse peut-être les sols, c'est ça? Mais pas les murs. Et non mais ça m'a déplacé ce truc là, je veux pas ça. Un connecteur, ok, on va essayer de placer le connecteur du coup. Alors est-ce que ça nécessite aussi électricité? Voilà, ouais. Donc les connecteurs, ils sont où? Interrupteur, plaque à pression. On peut même faire des pièges en fait. Les câbles peuvent traverser les portes et les fenêtres, mais pas les murs alors. Ok. Carrément un compteur électrique quoi. Faudrait que je comprenne exactement comment ça fonctionne. Si je fais plutôt celui-ci sur le mur. Ah d'accord, ok. Ok, je viens de comprendre du coup, merci. Donc il me faudrait un deuxième connecteur là-bas. Mince, à chaque fois j'appuie sur le mauvais bouton. Il t'y apprend. C'est ça, les copains d'abord. Ah, j'ai plus de cuivre. Je n'ai plus de cuivre. Bon. Dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on fait? On va détruire une maison. Forcément, trouver quelque part du cuivre. Des choses qui grésillent à gauche là. C'est pas là. Toujours pas gagné du cuivre. Là y'a rien. Faut que je monte de niveau aussi, mais on va finir par avancer quand même. Non. On va aller vider ce coffre, on n'a plus besoin. Qu'on le vire. Toujours pas de cuivre. Où est-ce que je peux trouver du cuivre? C'est quoi la vidéo que t'as envoyée du coup, Kensou? Ok. Faire un petit peu de vide dans cette maison qui est bien trop pleine.
On va détruire un lampadaire si possible. Il n'y avait pas d'électricité pour la faire fonctionner. C'est pour ça que la télé fonctionnait pas, les amis. J'avais jamais mis d'électricité jusqu'à présent dans les bâtiments. Mais maintenant... Ah! Il y a un coffre fort ici. Vous avez entendu ce bruit bizarre, là? Cuivre. Voilà, voilà. Le tapis. On ramasse aussi le coffre, je vais pas le détruire. On va d'abord le fouiller. D'accord, ok. Bonne nuit Isa, fais de beaux rêves, prends soin de toi, merci beaucoup de rester si longtemps. Et j'espère à très vite. Voilà. Ouais. Maintenant, je peux à nouveau supprimer ce coffre-fort. Bon, si avec ça, on n'a pas tout ce qu'il nous faut. En termes de... On peut même supprimer l'armoire. Ça fait vite d'un coup la maison. C'est quelqu'un. Alors, il nous faut un lampadaire. De toute façon, les lampadaires ne fonctionnent pas, donc on a plutôt intérêt à les vider, à les enlever. Hein, on essaiera de refaire un éclairage plus intéressant par la suite. Parce que pour l'instant, là, comme ça vaut plus rien. Merci à toi, Isa. Fais de beaux rêves. A très vite. À demain, peut-être. Parce que bon, je compte bien continuer le jeu demain, normalement. Non, peut-être pas les arbres. À moins que je puisse en replanter, faudra que je regarde. Normalement, maintenant, on a assez de cuir. Pour eux. Parce que le cuir, c'est encore autre chose. Peut-être qu'on placera d'autres trucs électriques par la suite. Non, mais... Comment je fais pour sélectionner? Voilà. La maison n'est pas très grande. Non, c'est bon, on est bon. Je veux tirer un câble de là. Pourquoi c'est pas possible de faire passer à travers le... C'est à cause de l'escalier, c'est ça? Non, attends, non. Choisir, on va essayer de le placer sur ce mur là peut-être pour voir. Toujours pareil, hein. C'est à cause de mon escalier, ça. J'imagine, après, je peux me tromper, hein, mais... Quoique, c'est pas très malin. Ça, c'est peut-être plus approprié. Quoique j'arrivais contre un mur, mais ce n'est pas grave. Et au-dessus, on a un toit, donc c'est pas très malin non plus. Est-ce que maintenant ça passe ou pas? Non, ça doit toujours passer, j'imagine, entre les piliers. Donc, ce qu'on va faire... Un jour, j'y arriverai. On a 40 minutes où je fais rien que de la construction. Ouais, non, je vais peut-être le passer en plein milieu. On va, ce qu'on va faire, c'est que je vais... Voilà, on va revenir à gauche. On va placer des sols. Voilà, ça me semblera plus logique comme ça. Bon là du coup avec ce machin au-dessus, bah, ça pose problème forcément. Mais ce n'est pas grave. On va faire avec. Sol.
Étage supérieur de cabane, voilà. On aurait pu faire un plafond plus haut, hein, mine de rien. Et là, ce sera peut-être mieux comme ça. Non ? On se sentira plus à l'aise. Non, ça n'a pas mis au bon endroit. Tant pis, j'annulerai après. Voilà, ça c'est fait. Toi, tu disparais. Voilà, c'est bon. Ah mais du coup, je suis bête, mais... Je suis très très bête. Ça a supprimé tout ce que j'avais mis au plafond, bah ouais. Ben ouais. Ah mais quel pas malin ce Titi. Donc j'avais dit. On va mettre un là. Et je voulais ma boule à facettes ici moi. Voilà, c'est rigolo ça. Les néons. On va faire peut-être un peu plus d'éclairage. Faudra qu'on regarde si on peut se créer une cuisine et tout. Je suis l'homme qui passe à son temps à regarder. Quoique pour l'instant, ça devrait faire assez d'éclairage, non ? Presque envie de. On peut en matériaux en faisant ça. Ah, d'accord, donc faut que je les stocke. Merci de l'info, en tout cas. Tiens, c'est quoi ça, pillard d'hiver? Ok, je me rappelais pas qu'il y avait ça, Pierre. Atelier d'alchimie. Est-ce qu'on peut se faire un truc de cuisine? Une cuisinière, on peut en créer une normalement. Non, je peux en créer une. Qu'est-ce qui me manque? Ah non, il me faut chef local. Renroki, chef local 2. Pour faire une cuisinière. Établi d'armes. Établi d'armes 1. Il y en a deux différents. Établi d'armure. Poste de cuisine. Poste de cuisine 3. Armure assistée. Cuisinière 2. Atelier de chimie 1. Atelier de chimie 2. Ok, donc on essaiera de construire la cuisinière par la suite. Pour l'instant, peut-être que se contenter du mobilier. Genre mobilier. Les lits, on verra plus tard. Chaise. Rangement. Étagère, table, on va mettre une table. Oh, il y a un pirard. Oh, on va se faire une folie au niveau de la base, à mon avis. Il y a plein de trucs sympas. Hein. C'est tout neuf, quoi. Le premier, après j'arrête de construire. Voilà. Enfin, on termine juste de construire cette pièce là vite fait et après je m'arrêterai. Pas de faire le live hein, mais de construire. C'est que je suis accro à ce genre de choses, c'est pas bien. Mettre des petites boîtes, des petits machins. C'est sacrément classe.
Ça aurait bien joué avec ça. Hein. J'aime bien ce système de rangement aussi. Voilà. J'avais dit que je voulais des chaises. Faut bien qu'on puisse s'asseoir autour de... mettre des chaises plutôt confortables, peut-être pas les tabourets. Tout ça, c'est des fauteuils. Le bleu, c'est peut-être mieux, mais tout le monde sait que j'adore le violet. Un petit peu de ressources. Bon, certains sont pas alignés, mon sang schtroum, c'est pas le plus important. Oh, mais après, j'arrête de boire. Laissez-moi juste la dernière. Fallait m'animer. Voilà, ça c'est beau, c'est bien. On a un début d'intérieur. Ensuite, là où on posera des lits et tout. Un petit canapé. Un bon petit canapé, quoi qu'il n'y a pas d'autre petit canapé plus intéressant. Hein. Bienvenue dans les Sims. Et il ne peut jamais en ressortir. Peut-être même se faire un cinéma, quoi. Voilà, on va prendre une petite table. Rangement, étagère... non mais arrête avec ça s'il te plaît, rangement... C'était pas ça que je voulais... Lit... Une petite table pour poser une télé... Par contre ça apparaît pas. Voilà, ça me plaît. Là je suis à peu près au milieu. Est-ce que j'ai une télé du coup? Carte, électricité, lumière, divers. Et terminaux. Boîte lumineuse, je peux pas poser de télé? Où quelles sont les télés? Mais ça c'est quoi? On s'en fiche des boîtes lumineuses. Moi je voulais une télévision. Il reste une télé dans la maison. Ouais vas-y on vient la chercher. Il me faut une télé. Il me faut une télé. Dans votre maison je crois qu'il en restait une. Je vais récupérer la mienne comme ça. Ah mais ça elle est chiante, elle est posée sur... À moins qu'il n'existe que des trucs comme ça. Je sais pas si on existe d'autres. Du coup c'est pas très centré mais c'est pas grave. Voilà. Il y a un magasin dans le coin. Hop là c'est bon. Je vais passer à autre chose quand même, hein. Ressources, est-ce que je peux recommencer à planter des trucs intéressants? Ah l'eau, très important l'eau. Mettre de l'eau derrière ici. Je crois qu'il faut les placer au-dessus un truc fertile pour l'eau. Nourriture, on n'a pas de blé. Par contre on a des courges. On va continuer à placer comme ceci. Voilà. On va en planter deux dés comme ça. Ce sera toujours ça de prix. Là j'ai rien, là j'ai rien, là j'ai rien, là j'ai rien. Et de toute façon il faudra bien des gens qui s'en occupent ensuite. Ça je crois que ça peut être intéressant. Ça nécessite un homme, mais la station de ravitaillement je crois qu'elle... le recyclage... Ah j'aurais dû la poser dès le départ. Ce truc.
Teaser va bientôt s'éteindre. Ouais, mais on en remettra d'autres après, parce que comme je vous dis, là, ça fait 50 000 qu'on est là-dessus. Donc à un moment, faut que je sache m'arrêter aussi, quoi. La baignoire, on verra plus tard. Le paillasson. Bien sûr que je veux un paillasson. Ça, c'est quoi? Chaise de coiffeur. Oh, c'est rigolo, ça. Chaise de coiffeur et chaise de chirurgie. Sympa. Bref. On va peut-être s'arrêter ici pour cette rediff, non? Et avancer un peu dans l'histoire. L'homme qui s'étire, c'est moi, bonjour. Arrête de vous rencontrer. Faut que je place aussi mes points. Donc, on va peut-être faire ça en fin de... Non, on fera ça en début de vidéo. En prochain début de vidéo. Niveau inventaire, j'en suis où? On a 133 sur 250. Normalement, on peut encore se promener tranquille. Du coup, on va s'arrêter ici pour... On fera qu'on décore un peu plus la maison quand même. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Un merci tout particulier à Goroturion qui, je rappelle, m'a offert le jeu. Merci pour votre présence, merci pour votre participation, merci pour vos dons aussi. Merci beaucoup pour tout ça. Je vous souhaite tout plein de bonheur encore une fois. Passez une bonne fin de journée, prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Salut!